Et salut à tous les amis, on est parti pour une petite surprise. Alors désolé déjà d'avoir mis beaucoup de temps à refaire des vidéos, mais je suis en train de préparer des maps. Donc du coup ça me prend énormément de temps. Donc du coup je fais au mieux. Comment vous dire? Je reconvertis des maps de FS13. Donc du coup là, j'ai reconverti une map. Donc je ne dis pas le nom tout de suite. De toute façon, vous avez un indice. Je suis en train de reconvertir des maps pour pouvoir refaire un peu des carrières suivies comme avant, comme à l'époque du FS13. Donc maintenant, ça ne marche pas très très bien encore. J'ai encore plusieurs modifs à faire pour que ça marche correctement. Donc, du coup, j'étais obligé de faire des transformations pour pouvoir avoir la map quasi correcte par rapport à celle d'origine de FS13. Donc je copie pas, hein. C'est une map perso, je ne vais pas la partager. Maintenant, pour tous ceux qui veulent convertir des maps, il y a des tutos sur YouTube et vous pouvez le faire tout seul pour vous. Alors tout ça, c'est une map que tout le monde connaît et que vous allez voir plusieurs indices sur cette magnifique carte. Alors pour la transformation, j'ai dû enlever tous les arbres. Parce que tous les arbres, il n'y avait pas de feuilles. Il n'y avait pas de feuilles aux arbres. Donc du coup, je suis obligé de replanter les arbres un par un. En faisant comme ça, bien sûr. Pas comme ça. En faisant comme ça. Hop. Et hop, masse. Tac, tac. Et en les plaçant un par un. Avec notre truc d'origine. Donc voilà, j'ai fait plusieurs parties, j'ai agrandi les champs, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des parties forestiers, même si j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave, j'ai dû le faire quand même. Les parties forestiers, j'ai fait aussi pas mal de choses, hein. Ça, j'ai changé parce que ça ne fonctionnait pas par rapport à la map d'origine. C'était un portail qui s'ouvrait normalement. J'ai avancé les triggers. J'ai fait pas mal de choses en fait. Principalement des choses, j'ai plus agrandi les champs. Comme moi, j'aime bien les grands champs. Alors vous allez voir que bien sûr tout fonctionne, enfin, à peu près tout fonctionne, sauf que je peux pas encore mettre d'animaux, et les animaux je vais voir ça après. Pour l'instant c'est une map en préparation, et donc du coup elle est assez difficile à faire. Bon, les textures sont un peu brillantes, ça je vous l'accorde, mais bon, on va pas se plaindre, j'ai déjà une map. Donc qu'est-ce qui m'arrive, j'arrive pas à faire de marche arrière. On a déjà une map qu'on connaît très très bien. Après j'en ai refait d'autres. J'en ai refait d'autres qui seront aussi bien. Genre sur mes carrières suivies. Sur la map américaine, celle-là je l'ai convertie aussi. Donc du coup je vais pouvoir la faire tranquillement. Alors un autre petit indice. Bon, maintenant si vous n'avez pas trouvé, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Voilà. De toute façon, à mon avis, vous avez dû la reconnaître. Donc j'ai rajouté des lampadaires. Après maintenant, on va regarder ce que ça fait quand on passe la nuit. Si je peux, si ça fonctionne, bien sûr. Ah, ça fait pas trop de nuit. Tiens, on va refaire un autre jour. Voilà, ça s'allume. Oh, ça fait pas très nuit. On va faire avec, voir si la lune elle bouge. Voilà, elle disparaît. Bon, c'est pas grave. Il y a pas mal de défauts encore qu'il faut que j'améliore. Et ça, je vais faire ça au fur et à mesure. Donc, vous avez bien vu, c'est la map, la haie des Newtons en version 2015. Donc maintenant, cette map là, comme je vous ai dit, elle sera pas en téléchargement. Si vous voulez la, si vous la voulez en FS15, il suffit juste de suivre des tutos sur YouTube et vous allez comprendre tout de suite. Moi j'ai fait ça en 10 minutes, donc ça c'est très facile. Donc là il y a des défauts encore qu'il faut que je rectifie parce que j'ai modifié pas mal de choses. J'ai agrandi les champs, donc du coup il reste aussi pas mal de choses à modifier, bien sûr. Je vais vous montrer une partie au niveau, ça va passer à travers, ouais c'est bon. Donc toutes les maisons et tout, j'ai rien changé. Je vais vous montrer les parties forestières, pardon. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors là, ça va pas changer. Normalement, là, je suis dans le sens interdit. Mais je vais vous montrer comment j'ai agrandi le champ. Par contre, mon tracteur, là, il n'est pas terrible. Donc déjà, là, ce champ-là, je l'ai agrandi aussi. Tac. Et tout ça, là, il y aura des arbres, bien sûr, pour camoufler tout ça. Pour que ça fasse plus joli. Donc là, il va y avoir une partie forestière. Là-bas où il y a les arbres, c'est moi qui ai tout mis. Donc ici, ça va être une partie forestière. Toute la partie verte, ça sera au niveau des arbres. Et la partie terre, ça sera la partie roulante. Roulante pour les véhicules. Donc voilà, ça c'est bon. On va monter un peu par là pour voir si c'est praticable. Il y a des endroits où c'est un peu dur, comme là. Alors, ça peut aller à peu près. Ouais, ça va à peu près. Bon, il y aura des parties où on ne pourra pas aller, bien sûr. De toute façon, ça, ce serait une partie décoration. Puisque les parties forestières, moi, je les fais pas. Enfin, je les fais pas. Peut-être que j'en ferai, puisque cette map-là, moi, je l'adore. Et donc, on verra bien. Donc, il y a des parties, des endroits qui sont brillants. Bon, là, je vais couper. Je vais couper pour pas que ça soit trop long. Donc là, c'est la partie, rappelez-vous, BGA. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté les arbres. Ça doit être différent sur l'autre, je ne me rappelle plus trop. Donc là, on rentre là. Et normalement, la balance ne fonctionne pas. Ça, c'est pas grave. Là, on est sur la partie BGA. Donc j'ai fait de la déco un peu avec des arbres de partout. Que ça fasse un peu joli, enfin un peu pour que ça fasse joli. Le seul truc c'est que c'est bon, tout est bon.
La sortie est là. Nickel. Donc la balance ne fonctionne pas. Ça, je suis pour rien. Voilà. Toutes ces parties-là au niveau des arbres, c'est du rajout. Et ça, je fais un par un. Toutes ces parties aussi là, vous voyez là. Hop, là, il n'est pas en collision. Tout ça, bah, c'est tous les arbres que j'ai rajoutés parce qu'il n'y avait pas du tout d'arbres. Si on regarde bien sur la map, il n'y a pas du tout d'arbres. Donc là, en même temps, on va voir comment j'ai agrandi les champs. Donc là, le champ, il est bien agrandi. Je peux même agrandir la map parce que tout ce qui est en vert là-haut, je peux aller. Donc ça, c'est la partie forestière. Il y a pas mal de trucs. Où il y a les éoliennes, bien sûr. Ça aussi, c'est moi qui l'ai rajouté. Et c'est la ferme. Comme ça, ça fait un petit repère en même temps. Si on ne connaît pas très bien la map. Mais bon, maintenant, on le connaît. Alors maintenant, on va aller du côté forestier. Je ne sais plus trop où j'ai placé ça. Donc, je suis très content quand même d'avoir pu réussir à faire cette conversion. Je vais trouver d'autres maps hein, pour pouvoir le faire. Là, on va avoir la nuit qui va se passer. Le coucher de soleil. Ouais, le coucher. En fait, tout ça, ça reste du FS 13. Il y a plusieurs trucs aussi, par exemple, pour acheter les champs. Ça, il faudrait que je... Tout ça, je le retire. Donc, tout ça. Je peux pas y aller. En fait, je peux pas acheter de champ. Ok. Donc tout ça, ce sera à être modifié. Bien sûr, il faudrait que je me balade avec ma souris dans toutes les zones. Donc voilà, on va aller vers la partie forestière. Alors, il y a des petits coups de lac de temps en temps, c'est, je sais pas, il faudrait que je voie ce que c'est, ce qui se passe et pourquoi ça fait des coups de lag. Tous les triggers fonctionnent. J'ai dû supprimer quelques trucs parce que bah, bien sûr il y avait des bâtiments blancs, donc j'ai dû les supprimer. Au fur et à mesure, je vais transformer tout ça et je vais essayer de faire un truc assez pas mal. Là par contre, j'avais agrandi le champ. Ah oui, c'était sur la deuxième sauvegarde. Ok. Sauf que la deuxième sauvegarde, elle a bugué, il y a un truc qui va pas. Ok. Donc, on est reparti sur notre partie forestière. Donc après, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et tout ça où je peux exploiter. Mais je pense pas que je puisse faire quelque chose, du coup je cacherai tout ça. Il y a quelques triggers qui sont à l'arrache. Ma partie forestière, je sais plus où j'ai foutu. Sinon la map fonctionne très bien. Il faudrait juste que je fasse encore quelques modifs. Et puis c'est bon, là c'est... Si je commence une carrière suivie sur cette map, vous verrez beaucoup de changements hein, parce que ça sera pas du tout pareil. Là c'est en phase test. Ça se trouve, je vais tout recommencer à zéro et je vais tout refaire. C'est ce que je fais à chaque fois en fait. Et je vais faire par exemple les trucs en collision, je sais même pas ce que c'est. Je vais essayer de changer pas mal de choses. Donc là c'est juste pour vous présenter la map la Île des Newtons en version FS15. Donc maintenant là, ouais, on va arriver
je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un bâtiment dans la rue. Ah, pour la partie bois. Donc là, je suis en train de voir pour faire la scierie ici. Et pour faire toute une forêt, tout ici, là. On va voir déjà. Hop, voilà. En partant de là et faire tout ça en forêt. Donc tout ce qui est en vert, le mettre en forêt. J'ai fait un dessin là. Bah, c'est pas fait exprès. Et du coup, tout ce qui est en vert, ça sera que des arbres. Et tout ce qui est en terre, bah, c'est les chemins de passage pour les véhicules. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est la zone partie forestière. Là c'est pareil, vous voyez. Hop, ça vole, c'est pas très bien. Donc l'abattoir est toujours ici, mais le problème c'est que j'ai pas les animaux, donc c'est à voir, à refaire. Toutes les maisons sont là, les textures sont un peu brillantes, mais ça c'est normal. Le garage est là, sauf que quand on achète des véhicules, et ben ils se mettent pas au bon endroit, du coup ils se mettent pas au garage. Ok, ça c'est un point de changement. La vitrine elle est là-bas. Le garage il est là. Tout fonctionne correctement. Il y a des trucs encore là qu'il faut que j'enlève. Il y a certains trucs qu'il faut encore que je modifie. Comme la brillance là, par contre ça je vais être obligé de le laisser. Parce que à la base, ça fait un trait droit et il n'y a pas de ça. Donc ça, je suis désolé, mais ça, ça restera. Et ben c'est tout. Donc après moi je vais faire mon maximum pour faire un max de vidéos pour essayer de reprendre les vidéos comme avant. Là c'est que j'ai beaucoup de travail et en même temps je peux pas faire les vidéos, le travail et les montages. Et les mappings, et en même temps je recherche pas mal de modes les plus compatibles et les plus jolis pour que et ceux qui n'ont pas de bug, parce qu'il y en a énormément qui font bugger le jeu, et ça c'est un peu chiant. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et Et du coup voilà, hein, c'est comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez surtout. Et si vous êtes intéressé à ce qu'on commence à faire une carrière suivie. Je sais pas encore si je vais utiliser des modes ou les modes d'origine de la carte. Les modes d'origine du jeu. Ou alors si je vais prendre des mods. Ça pour l'instant je n'en sais rien du tout. Et ben, je verrai au fur et à mesure de la carrière. Enfin surtout de la map. Enfin de la map suivant ce qu'elle supporte. C'est souvent ça en fait. C'est suivant ce que la map va supporter. Alors on va passer par ici pour ressortir de l'autre côté. Et on va voir que tout, rien n'a changé en fait. Donc ça y était déjà. Toutes les textures, elles y étaient. Hop. Ça, c'était comme ça. Juste les champs, je les ai réunis. Et là, on va rentrer dans le corps de ferme, comme à l'époque. Voilà. Et si on va à la
gauche, on retrouve le garage avec toutes les semences et tout. Donc tout va bien. Ok. Donc voilà les amis. Allez. Et ben sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Bye bye. Catherine Scott. Allez hop. Ciao.